1997, avec Philippe Cézanne, nous avions posé cette plaque en mémoire du séjour de Paul Cézanne en 1896 à l'abbaye. Et en 1996, malheureusement, vous n'étiez pas à l'abbaye, mais vous connaissez bien mon ami François-René Duchâble, hein, puisqu'on avait dîné ensemble et que vous nous aviez servi des vins mémorables. Hein. Nous avions rendu un hommage à Paul Cézanne pour la commémoration du centenaire de sa venue à Paris. Bonjour François-René. Oui. Juste une question. Tes meilleurs souvenirs concernant le centenaire de la venue de Paul Cézanne à Talloire en 1996? Ah ben, il y en a beaucoup. Il y a d'abord la rencontre, notre rencontre. Hein. Mais ça, c'était 10 ans auparavant. Notre rapprochement, on va dire, grâce à ce merveilleux projet. Et j'ignorais à l'époque que Cézanne était venu un siècle plus tôt au lac d'Annecy. Voilà. Et donc, ce formidable tableau du lac d'Annecy, c'est révélation pour moi. Et il y a la rencontre aussi avec Jean Tifna, hein, qui nous accueillait merveilleusement à l'abbaye de Talloire. Bon, malheureusement, c'était après, on continuait le festival sans lui. Et puis, alors, il y a cette magie, bon, qu'on a continuer cette magie de l'eau, des feux, de l'orchestre, des sonorités de l'orchestre, l'orchestre des Pays de Savoie, et puis avec moi, pianiste, dans cette baie de Talloire, sur l'eau, avec les lumières, cette magie extraordinaire qu'on a pu réaliser grâce à ce centenaire. C'était la première année, et puis ce festival a pu continuer. Telle chimie formidable de l'eau, de la lumière et de la musique. Et je me souviens également, avant de jouer le concerto, que j'étais sous le piano pendant la symphonie, pour être à l'abri de l'humidité. Donc j'étais accroupi sous le piano et j'écoutais l'orchestre des Pays de Savoie. Le tableau, qui est la propriété de l'Institut Cocteau à Londres, hein, en sachant que le tableau, la valeur du tableau vaut au moins 3 fois la valeur du château. La valeur d'assurance demandée à l'époque était de 250 millions de francs. Journée très importante un petit peu avec Paul Cézanne, les tableaux de Paul Cézanne et le vin. Est-ce que le côté visuel a un intérêt sur le goût? Donc on avait fait intention, c'est que j'avais donné un petit peu par internet à tous les adhérents de l'association des tableaux de Paul Cézanne. Et chacun est venu un petit peu, a choisi un tableau et est venu avec son vin préféré pour un petit peu visualiser le tableau. Le côté minéral, donc quand on a des vins très minéraux, on a surtout un vin très sec, très mordant. Et moi je pense toujours à un vin un petit peu dans la Savoie, c'est, on ne va pas sur le lac d'Annecy, on va sur le lac Léman. On est dans la petite commune de Marin, vin de Savoie Marin avec le Chasselas. Le Chasselas nous donne toujours un vin très très sec, très minéral, donc on va retrouver un petit peu ce côté bleu ici de ce côté tableau ici, et ce côté un petit peu reflet, tous ces reflets qui sont là, qui nous redonnent toujours ce côté minéral encore, ce côté eau qui est là toujours présent. Donc quand on goûte un petit peu, donc en fin de compte le visuel a quand même au moins 60% d'intérêt pour le goût au niveau homme, si ça a été démontré. Voilà pourquoi on avait fait cet esprit un petit peu entre Paul Cézanne et le vin, et on avait eu même ce tableau qui était très, qui est superbe de l'enfant, et moi l'enfant m'avait pensé tout de suite à un vin moelleux, parce que le côté jaune or du tableau, le côté jaune or d'un coteau du Layon par exemple, et quand on sait qu'un vin moelleux peut aller très loin dans le temps, un jeune homme, par exemple avec les yeux qu'il avait, pouvait aller loin dans le temps de la vie. Voilà un petit peu comment on peut associer le vin et les tableaux ensemble. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nicole Lacroix et je suis guide du patrimoine des Pays de Savoie à Talloire. 1860, le rattachement de la Savoie à la France, Napoléon III et Eugénie viennent inaugurer l'événement et offrent au lac d'Annecy le bateau La Couronne de Savoie et participent ainsi au lancement du tourisme sur les bords du lac d'Annecy. L'abbaye, ce bâtiment est devenu après la Révolution un bien national qui a été racheté par des propriétaires successivement pour être une exploitation viticole. Et puis
en 1862 avec l'arrivée des touristes et un tourisme huppé dont faisaient partie Cézanne, Taine, Renan, Bénard bien sûr, qui amenaient leurs amis sur Tamar. L'hôtel de l'abbaye s'est créé en 1862. Et c'est là... Elle était créée par la famille Davier. Les ancêtres de Madame Perret, qui était toujours propriétaire des murs de l'abbaye. Donc sur le séjour de Cézanne à Talloire, il faut savoir qu'il était accompagné donc de son fils qui s'appelait Paul, et de sa femme Hortense. Mais Hortense qui avait été à l'origine de compagnie et qui devint la mère de son fils. Fils qu'il appelait Paul, vous savez pourquoi il appelait son fils Paul ? Pour en cacher l'existence à son père. Du roc de chair, peinte par Cézanne en 1896, a été l'emblème des 100 ans de la venue de Paul Cézanne à Talloire. Alors le centenaire c'est en 1996, donc nous avons fêté avec l'Orchestre des Pays de Savoie en faisant un concert sur un radeau dans la baie de Talloire avec François-René Duchâble, et ça a été un moment historique et épique puisqu'il y avait un orage terrible qui s'annonçait, et donc François-René Duchâble qui jouait un concerto de Chopin a accéléré le tempo jusqu'à la fin pour jouer de plus en plus vite, et nous on jouait de plus en plus vite aussi pour essayer de finir le concert avant l'orage. Et puis alors, il y a cet orage à la fin qui fait que, à l'époque, c'était comme un chalet. Il y avait un toit sur le radeau et le radeau allait partir au large. Marc Foster, eh bien, il ne savait pas nager. Et il ne savait pas nager, donc il a accéléré le tempo dans le final du concerto parce que l'orage commençait à être bigrement menaçant. Il y avait les éclairs, le vent, la prise au vent sur cette toiture, cette espèce de toile qui recouvrait les instruments, les instrumentistes, le podium. Et donc il y avait vraiment péril dans la demeure là. Et donc je dois dire que je plaide un peu coupable. Moi également j'ai accéléré, d'autant plus qu'en général c'est ma spécialité, ça l'était à l'époque, de jouer assez rapidement les finales de concerto. Donc on a accéléré, on va dire, ensemble, chacun a suivi le tempo de l'autre, et finalement c'était une espèce de course poursuite, une course contre l'orage qui menaçait les premières gouttes qui auraient menacé les instruments. Moi je ne craignais rien, enfin, évidemment c'est pas mieux. D'ailleurs on a failli le mettre à l'eau lors d'un festival suivant, lors du transport. De l'infirmier de l'abbaye au XVIe siècle qui faisait partie de la famille des Charançonnais. Cette famille a donné 4 prieurs à l'abbaye. Donc nous voici dans la chambre du prieur. Qui a été créée dans les années 1730 par suite à la restauration de l'abbaye qui avait brûlé. On a créé cette chambre dans le style de l'époque, le style fragonard, avec des feuillages, des pétards de fleurs, des angelots. Tableaux de deux factures différentes. En haut, les apôtres et en bas, des paysages.
demi-frères qui ont peint. L'un s'appelait Josère Mose, dit l'ange, et l'autre Van. Je sais plus. Cloître tel qu'il était à l'époque. Et qui a été tout à fait conservé dans ce style. Dans cet esprit. Jean Tichenin m'avait dit qu'à l'époque d'Albit, ils avaient rasé le clocher de l'abbaye et que les cloches avaient été jetées au lac. Est-ce une légende ou une vérité? Alors, je pense que le clocher était déjà démoli parce qu'à la Révolution, l'église tombait en ruine. Et il y a des cloches, les cloches du clocher qui étaient probablement par terre ou pas loin, ont été rapatriées dans l'église du village. Donc je pense que dans l'eau, c'était une légende. Cézanne aurait payé son hôtel pendant 2 mois avec des tableaux et que ceux-ci auraient brûlé dans un incendie d'un appartement à Annecy. Là, je pense que c'est une légende parce que lorsque Cézanne est venu à l'abbaye en 1896, il était riche, il venait d'hériter de son père, le banquier, qui était propriétaire du jas de Bouffant. En 1896, c'est de ce lieu, le port de Couëx, que Paul Cézanne a représenté le lac d'Annecy. Ici, nous sommes donc au cœur du troisième site cézannien, le lac d'Annecy. Et vous me disiez que le port de Couëx a été créé dans une condition particulière, non? C'est-à-dire que les villageois venaient prendre le bateau et porter leurs marchandises au port de l'abbaye. Et ils ont désiré avoir plus d'autonomie, ils ont demandé au syndic de créer un port, et c'est comme cela qu'on a créé le port de Couëx au XVIIIe siècle. Merci beaucoup. La famille de Couëx était parent de la famille de François de Sales. Et au temps de Saint-François de Sales, quand il a voulu réformer l'abbaye, il suggérait aux paroissiens d'aller écouter la messe de l'abbé de Couëx à Saint-Germain. Il annonce l'abbaye, l'ensemble conventuel avec les murs qui ferment le jardin, qui est un potager pour nourrir les moines. Pas Annecy pour faire sa superbe. Le village, l'église a été créée en 1882, donc c'est après 1830, parce que cette route a été
c'est la route qu'a emprunté Eugénie avec la Pelantre. La Pelantre Eugénie. Et on voit la maison de Bénard qui est toute seule. Et elle s'est déjà construite. Oui, elle avait. Et Bénard, quand Bénard est arrivé au port de Talloire, en embarcadère, il a été en bateau et il a repéré cette maison qui n'était accessible que par le lac. Il l'a acheté, ensuite il a racheté des terrains pour pouvoir agrandir et arriver en auto. Et on voit très bien les voiliers qui transportaient les barques à voile, qui transportaient les marchandises avant les bateaux de vapeur, les pêcheurs. Les travaux dans le Thoron pour faire la piste cyclable, une bande cyclable, la croix, et suite aux accidents survenus et qui ont démoli la croix, le piédestal est déjà installé en dessous du lavoir et la croix sera installée bientôt. La maison de Bénard. Le retour de l'enfant au chapeau de paille dans le troisième site cézannien.